Mama Ibidero, die benita famio. Mama Ibidero, die benita famio. Papa die nyamera osugle. Mama Ibidero, die benita famio. Mama Ibidero, die benita famio. Papa gay in a mirror, so blele, 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 my yo. I just a minga, you know ya, me play a cat, DJ Conji, ye bali télébison, télébison, si, on est venu coucher, on est venu quand vous, nos papa, nos mama, attends. Papa Ange Guéhi, dédicace spéciale, cette émission t'est dédiée parce que tu nous as ramené encore un autre trophée. Vraiment, ton bureau est chargé. Ton bureau est chargé. Prix du meilleur agent pour la promotion et le développement des médias, décerné à Monsieur Ange Fabien Guéhi, DG d'NCI. Félicitations. Didier Conge. Fais chauffer un peu, puis on va lancer. Voilà. Allumez la bouteille, hein, chauffez un peu. Voilà, chauffez. Voilà. Ça, t'es à boubou, hein. Cassé. Voilà. Un pambanou, on dirait pambanou passé. Allons-y. Allons. Attends. Faut pas presser, presser d'abord. Papa Ange Guéhi, si elle nous annonce. C'est ça, non? Yamorasu. Voilà. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est quoi? Papa. Ange maman Ange Guéhi. Non, non, non. Papa Ange Guéhi. Papa Ange Guéhi. Yamorasu, blélélé. 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 Ça veut dire quoi? Ça veut dire, Papa Ange Guéhi, Dieu bénit ta famille. Mm-hmm. Dieu bénit toi-même. Blélélé, 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 on n'a qu'à faire. Papa Ange Guéhi, Dieu bénisse ta famille. Tout est blélélé, 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 blélélé. J'espère que vous êtes en très bonne santé, que vous nous suivez un peu partout, sur les réseaux, à la télé. Yves Doro, pour vous servir, ce soir, je suis avec Hassan Hayek, bonsoir. Bonsoir. Patrick Edouard. Bonsoir. Mimi Blonde. Et puis nous avons trois illustres invités ce soir. Je vois un très bel homme assis à côté de Mimi, qui est Monsieur Maestro de Balzac, manager d'artiste, qui a reçu le prix du meilleur manager de Côte d'Ivoire au prix Mut, c'est ça? Ouais. 2023, c'est ça? 2021, ah non, il y a longtemps. Hein. Oui, il y a longtemps. Mais quand même, il a été le meilleur manager. Je pense que c'est une... ça continue. Tout à ça fait. Continue, ça continue. Tout à fait. On a Monsieur Doji Dodo, web comédien, humoriste, make-up artiste, acteur, créateur de mode togolais, qui est là depuis quelques jours à Abidjan. Bonsoir. Bonsoir, Ivédor. Ça va? Je vais super bien, merci. Top. Maintenant. La star des stars. La star des stars. Oui. Je n'ai pas encore dit ton nom. D'accord. Je n'ai pas encore appelé toi. C'est ça, là. La star des stars est là ce soir. Veuillez Bonda, la star. DJ Conge, congélateur. Ouais, normal vidéo. T'es un champion. Je suis un champion. Voilà, Dieu bénit toute ta famille. Blélélé. Tes parents. Blélélé. 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 Maïyo. Eyo. 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 On n'a qu'à faire. Eyo. Eyo.
Et on n'a qu'à danser. Ah non, Jésus là. Attends. Jésus délimio. Ouali kanga ko grand ko yo momi ou moso momio. Après c'est Bunda. Aïe. On bouda pas comme ça, on bouda pla. 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 Jésus délimio. Ouali kanga ko grand ko yo mo mama ibiderero. Jésus délimi. Ouali kanga ko grand ko yo mo yo moso momi. Attendez. Je vais chanter ça en français. Dieu m'a aidé. Et c'est pas où il va m'arrêter pour dire merci à Dieu. Toute la terre est perdue devant moi. Il n'y a pas place. Il oui, n'y a, y a non, pas place pour dire merci. Non, il n'y a pas place. Il ne sait pas où il va se placer. Tellement tu veux dire merci à Dieu voilà. Là. Ça dit, je ne comprends pas ce qu'il voulait dire. Il voulait dire Dieu m'a aidé. Et puis, il ne sait pas où il est, mais arrêtez pas, je suis content. Tellement quoi. Tu es content, tu ne sais pas où tu as été placé. Pour arriver à la contemplation. Donc, il ne sait pas où il est, mais arrêtez pour dire merci à Dieu. Donc, moi, il est bon, seulement, il vient ici, et tous, on dirait tous pénalty. Tu vois, non? Vous avez vu ce qui vous attend ce soir? Asseyez-vous bien, on en rit. Ça va. C'est un faux billet. Il a mis faux billet. Et puis il a mis dans l'enveloppe. Il pensait que le monsieur allait regarder comme ça. Et puis là, il allait remettre. C'est pas que c'est un pour ses esprits. Où tout ne reste pas. C'est le lieu de rappeler ces méchantes personnes. Parce que même moi, cette semaine, j'ai reçu un faux billet de 10 000 chez moi au travail. Oh. Et malheureusement, la caissière, elle ne sait pas. Et donc, si le patron n'est pas compréhensif, ça peut mettre, ça peut nuire au travail des filles là, si, et des personnes. Si, donc, si, faut qu'on soit vigilant. Entre autres, hein, la tricherie et puis la. C'est pas bien déjà de proposer de l'argent pour avoir des bonnes notes. Voilà, c'est de la corruption, ce n'est pas bien, franchement. Et pour enchérir. Bien sûr. C'est ce que tu racontes. J'ai une dame à l'époque. Chez qui j'achetais les boubous avant d'avoir moi-même ma boutique de boubous, qui a sa vendeuse qui est tombée sur une cliente comme ça, qui est venue prendre beaucoup de boubous à combien de... Je ne sais pas, hein, près d'un million même, je dirais. Et puis, tout était des faux billets. Maintenant, on va mener les enquêtes. Déjà, c'est la fille même qui travaille là-bas, là. Qui a fait un coup avec une dame, comme si la dame était venue acheter. Donc, bon, tu vois, peut-être toi, ta fille, elle est bien. Mais souvent aussi, nos employés aussi, là, il y a des mauvais grains dedans. C'est surtout important d'avoir les testeurs aussi. Oui, les testeurs. Mais que, toi, tu es Libanais, tu n'as pas de testeur? Non, mais j'ai un testeur, mais c'est elle qui a la caisse. Ah non, j'ai oublié, autant pour moi. Ah, excusez-moi du peu. Tu n'es plus, trop Libanais. Ah, bah. Tu es devenu Ivoirien maintenant. Je suis devenu Ivoirien. Ça s'applaudit, mon frère. Félicitations. Merci beaucoup. Déjà, tu étais ivoirien dans le cœur. Maintenant, tu es ivoirien dans l'âme. Bienvenue dans ce beau pays qui est la Côte d'Ivoire. On te donnera la charte, même si tu la connais déjà. La répétition est pédagogique. Il faudra faire très attention. Tu sais que nous avons un degré d'immaturité très élevé. Mais il est pire. Voilà, toi-même, tu es immature. Tu es très immature, mais quand même... On doit te donner des conseils un peu quand même, d'accord? Merci beaucoup. Ça va te tenir, hein? Merci beaucoup. OK. Bon, des Balzac. Nous avons Didier Conge et Dodji Dodo. Et de Balzac, il faut lui demander si, en étant manager, il a appris ça ou non, bien c'est sur le terrain. On vient à de Balzac, Aouli. On arrive là-bas. Hein? De Balzac même va nous dire ce qui s'est passé en Jules Beko là. Et si je fais là, qui a raison? D'accord. Assez-toi. Ah bon? On a eu quelqu'un, on a eu manager, on ne va pas demander. On freelance. On va te demander. Voilà, à ça. Cozy time. DJ Congélateur. Ouais. Aquaba. Bienvenue. Momo. Merci, maman. Ah. Biflessé. Brou Kwaku Elvis. Brou Elvis. Elvis Brou Kwaku. Non, Elvis. Elvis.
Broukouakou. Broukouakou, là, c'est mon papa. Ah. Mais toi-même, c'est Mais Elvis. Toi-même. Non. Moi, c'est Broukouakou. Mais Elvis. Mon papa, il s'appelle Broukouakou. Et puis moi, il m'appelle... Broukouakou. Non, mon papa s'appelle Nyablou. Et toi, tu t'appelles comment? Broukouakou. Voilà. C'est fini. Donc, Broukouakou. Nyamiemou. Yo, Nyamiekwa. Ah. Faut nous parler un peu de ta carrière. Comment tu as commencé? Bon, ma carrière s'avance. S'avance quand pour arriver à l'avancée là. Comment tu as commencé? Comment tu as commencé? J'ai commencé à jouer guitare. J'ai la guitare dans ma main et puis je joue. Et puis je chante, son des dés. Et puis un peu, je joue quand petit problème, c'est devenu grand problème. Petit commencement, c'est devenu grand commencement. Mm-hmm. Voilà, c'est comme ça que commence. C'est comme ça que tu es arrivé. Mm. Je joue guitare. Et puis, tu aimes Yorobo? Oui, il aime Arafat. Regarde là-bas. Position qui est prise. Voilà. C'est position d'Arafat. C'est position d'Arafat. Mm-hmm. Et puis, c'est comme ça, quelqu'un t'a vu. Qui t'a vu pour t'emmener à Abidjan? C'est un gendarme qui m'a filmé. Un gendarme qui t'a filmé? Oui, il s'appelle Jackis. 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 Et puis, c'est parti comme ça sur les réseaux. Et quand il a filmé, ça a dit, moi, ici, comme on vient, je tombe dans le bruit des chiens là. Et puis, il sort. Et puis, chien là aussi, il tombe dans sa bouche et puis il sort. Et puis, chien là aussi, il tombe dans sa bouche et puis il sort. Bonjour, quand il est il là. Dit, c'est un gendarme qui a filmé là. Oui. Mais est-ce que c'est un gendarme là qui t'envoie à Abidjan? Est-ce que c'est un gendarme là qui a travaillé toi? Aïe. Vous parlez vrai? C'est le commencement, il est là parler là. Ah. Il est là parler commencement. Aïe. Mais et commencement au milieu, nos villas là-bas. Mais et quand on arrive au milieu là, qui t'a envoyé à Abidjan? Faut dire la vérité. C'est Saïn Rodolphe. Saïn Rodolphe? Mmh. C'est qui ça? Il est Yamsoukro là-bas, mon ancien manager. Saïn Rodolphe? Mmh. C'est lui qui m'a envoyé à Abidjan. Il s'appelle comment? Saïn Rodolphe. Saïn Rodolphe. Saint Rodolphe. Il dit que c'est son ancien manager. Mmh. Ancien manager. C'est lui qui t'a envoyé à Abidjan. Mmh. Et lui qui a attrapé ta main pour se promener dans Abidjan, il s'appelle comment? Je ne connais pas son nom. Hi! Hey! Congé. 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 Ce qui signifie, juste pour savoir. Il ne dit pas la vérité. Il ne dit pas la vérité. Ah, OK. Congé, il y a un en haut, hein. Il faut dire la vérité. Non, si c'est un autre, là, il y a un caillou dans mon oreille et il n'entend pas. Congé. Congé la terre. Congé. Congé. Nous, on a reçu un monsieur ici. Maman, attends. Je t'ai parlé que c'était ma grand-mère, il respectait moi, trop. Ta grand-mère. Grand-mère. Comment? Moi, une jeune femme. Tes mamans, ils étaient respectés. Nous, que tu es là, parler là. On est venu faire nos missions. On n'a qu'à faire tranquille. Non, on n'a qu'à parler un peu. Forcé, on doit parler. On doit parler un peu forcé parce que c'est là-bas ça a commencé pour venir ici. C'est comme c'est là-bas ça a commencé. C'est lui, c'est dans ta main, c'est dans sa main. Moi, je t'ai vu. Au moins là. Faut pas regarder ton manager derrière là-bas. Il peut rien te faire. Je suis là. Quand tu parles un peu, seulement tu regardes là-bas. Il ne peut rien créer. S'il s'amusait, il a coupé ses druides là. Ah, ça pardon, t'est pardon, on va couper. Faut pas... Tu sais, congé. Comme tu dis là, on va faire émission là. Regarde, lève-toi. On va faire émission là, propre. On va faire émission là, propre. Mais moi, j'ai été donné petit conseil. D'accord. Tu dis aussi ta maman, non? Hein? Tu as vu, j'ai invité ton grand frère ici. Manadja a confirmé. J'ai causé avec lui, j'ai ri avec lui, on a fait jolie émission. Mais je ne peux pas inviter Manadja a confirmé et puis je vais te laisser. C'est ça, j'ai dit, toi aussi là, on n'a qu'à t'envoyer ici aussi. La vie qui est là. On connaît pour hier, on connaît pour aujourd'hui, mais on ne connaît pas pour demain. Hein? Pala ne peut jamais rentrer entre poulet et puis du riz. Même si poulet dit qu'il ne mange plus là, hein? Forcé un jour, il va manger du riz. C'est comme ça, toi,
avec manager confirmé. Quelqu'un ne peut pas rentrer entre vous. Parce que vous deux, vous êtes quittés quelque part ensemble pour marcher ensemble jusqu'à pour venir. La bouche là, il y a dents et puis il y a langue. Souvent, là, ton dent là, ça mordit ton langue, non? Est-ce que tu coupais ton langue pour jeter? Ou bien tu enlevais ton dent pour jeter? Tu gardais dans ta bouche, non? Un peu là, vous va vous réconcilier. C'est ce que nous, on souhaite. Le temps va faire, mais il faut verser l'eau glacée sur ton cœur. Hein? Dieu n'a qu'à faire que ton cœur, là, ça va descendre. Amen. Amen. Voilà. Depuis que tu es... Maintenant, tu es artiste. Tu es un artiste, même, je peux dire, confirmé, parce que tu as un son qui cartonne, il y a caillou dans ton oreille. De toute façon, j'aime le son, là. Est-ce que tu sais que tu as un fan qui s'appelle Monsieur Charles Blégoudé? Lui et moi, on a failli faire palabre à cause de toi. Son affaire de DJ congélateur. Tu es en train de lui parler, mais il dit, oh, il y a caillou dans mon oreille. Donc, tu as beaucoup de fans, beaucoup de gens t'aiment. Comment tu vois ta carrière plus tard? Là, pour l'instant, là, on sait. Mais plus tard, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux devenir demain? Qu'est-ce que tu veux devenir? Je veux devenir ministre. Hein? Il veut devenir ministre. Tu veux devenir ministre? Ah, ça. D'accord. OK. Non, il ne devient pas ministre. De... Il veut ministre de... président de la Chine. Hein? Il veut devenir président de la Chine. Non, tu as dit ministre d'abord. Non, pas il est devenu ministre. Ministre, ministre là, il y a l'argent dedans. Aïe. Ministre dans le gouvernement de Papa Ado, là. Non, ministre de tous Chinois, les artistes. Là. Oh, ministre des artistes. Chinois, ça, il faut voir, là. Ça, c'est Maman Françoise remarque, il faut voir. C'est... Ah, toi, tu veux pas être... Elle... Toi, tu veux toi mettre ta place, ministre des artistes. Ça, là, il faut que le président crée ça pour toi. Spécialement. On va le voir pour ça. Mais si tu deviens ministre des artistes, là, moi, tu me mets où? Je te mets dans mon journaliste. J'ai devenu toi ton journaliste. Je sais pas ce que ça veut dire, mais bon. J'ai devenu ton journaliste. Tu as bien me payé. Combien comme ça? 500. Combien? Manager. Manager, tu as me payé 500. 2000. 2500. Manager, c'est petit, oh. Bon, 100 francs. Ça a 10 minutes seulement. Pongé. Non, 100 francs là, c'est grand l'argent. C'est gros que 2 minutes là. J'ai dit, ton nouveau manager qui tu es là, est-ce qu'il fait bien le point avec toi? Quand on finissait de jouer là, est-ce qu'il te déclare bien l'argent? Est-ce qu'il est gentil avec toi? Il est gentil avec moi. Bien, bien, bien. Il s'appelle comment? Il s'appelle Whitey. Whitey. C'est bluff, ouais. Whitey. Whitey manager. Bien. Comment ça va? Ça va. Bonsoir tout le monde. Merci, bonsoir. Ça va super bien. Avec l'artiste, comment ça se passe? Bon, ça se passe bien, il est concentré. Concentré sur sa musique, donc on essaie de mettre le maximum pour l'encadrer, voilà, pour qu'il soit à la hauteur. Au début, c'était un peu difficile. Bon, au début, il avait des problèmes de maladie, il fallait qu'on l'envoie à l'hôpital, tout ça pour le soigner. Voilà, il va super bien. Ça va mieux. Voilà. Et donc, là, maintenant, est-ce que vous avez quand même des difficultés que vous rencontrez ou bien pour l'instant, tout va bien? Bon, il n'y a pas de difficultés. Voilà, il travaille, il est chez lui. Voilà, donc là, il est en studio. Là, il est en studio, il a fini son dernier titre qui est « Grâce à Dieu, je vais avancer ». Grâce à Dieu, je vais avancer. Le clip passe déjà sur toutes les chaînes. Si. Voilà, on est en train de préparer un album. Par donc, il lui reste deux titres. Voilà. Deux titres pour boucler l'album. Deux titres, voilà. Vous êtes Baoué aussi? Non, moi, je suis Dida. Ah, vous êtes Dida. Les Dida sont bons. D'accord, mais ils sont bons. D'accord. L'assistant est bon. Je pense que son assistant est bon, lui. Ah, c'est son apprenti. Bon, son c'est... Ma question. C'est un jeune frère, Yannick. Il est à l'INSAC. Il joue à la guitare. Ah, bon. D'accord. Congé. Bonjour tout le monde. Lui, c'est qui? C'est mon copain, grand Yannick. Il est mon apprenti. C'est ton apprenti. D'accord. Donc, tu apprends la guitare avec lui? Bon. C'est lui qui joue et puis moi, il chante. D'accord. Mais pour moi, il sait jouer.
Donc, quand il finit de chanter, jouer, donc moi, le frère, il a joué dans sa main. Voilà. Non, il a chanté dans sa main. OK, bon. Pour... Il me prend la jouer, quoi. Ah, d'accord, parle. Hein. OK, pour ajouter un peu à ce qu'il a dit, je suis étudiant à l'INSAC en licence. Je suis aussi inventeur. La guitare trois cordes que vous voyez, c'est moi que j'ai confectionné cet instrument. Alors, j'aime ma culture, qui est la culture ivoirienne. Voilà, et surtout la culture bablée. Je n'aime pas qu'on se moque d'un bablé, parce que moi aussi, je suis bablé. Mm-hmm. J'ai suivi DJ Congélateur il y a longtemps, et j'ai vu ses activités. Je dis, au lieu de se moquer de lui, moi, je suis bablé. Dieu nous a permis d'être étudiants aujourd'hui. J'apprends de la musique. Pourquoi ne pas lui donner tout ce que je connais comme connaissance? Donc, je suis un peu à ses côtés, lui donner les accords nécessaires. Aujourd'hui, vous avez vu la jouer. Oui, oui. C'est mon souhait. Aujourd'hui, on ne va pas se limiter qu'à la Côte d'Ivoire. Peut-être DJ Congélateur sera loin. Comment il va faire sa musique? Aujourd'hui, moi, je veux que la guitare trois cordes soit au-delà de la Côte d'Ivoire. C'est ça. Et s'il arrive là-bas, il ne va pas seulement jouer les accords bablés. Ça ne va pas sonner toujours pro. Il faut jouer du jazz. Comment pouvoir jouer du jazz avec la guitare trois cordes? Vous pouvez faire ça? Oui, moi, je fais ça. Excusez-moi, je peux avoir la guitare. Il va faire parce que moi... J'aime beaucoup le jazz. Moi, j'adore le jazz. Non, mais est-ce que vous pouvez essayer de créer un petit truc avec du jazz? Moi, j'adore ça, donc. On va faire un peu de tech fight. D'accord. Rapidement. Mm-hmm. Non, il t'a donné. Écradé, là. Donc, on va compter 1, 2, 1, 2, 3 et 4. Mais fais des temps. Ça, là, est-ce qu'ils vont pouvoir faire ça? Doucement, doucement. C'est pas grave. Déjà, ce que tu as fait là, là. Avec trois cordes comme ça, là. Avec trois cordes. C'est que tu es... Non, tiens. C'est pas grave. Yannick, j'ai dit, tiens, tu es fort. Merci. Les connaisseurs qui ont regardé là, ce que tu as fait là, ils savent que tu es fort. Il y a d'autres mêmes qui ne peuvent même pas faire ça. Non, en fait, c'est ce que j'ai dit. Non, ce qu'il a fait là, moi-même, il peut faire. Oh, il ne faut pas l'écouter. Il en est venu faire. J'ai dit. Mais moi-même, il n'est pas appuyé. Merci beaucoup, merci. Parce que c'est notre culture. Et vraiment, ça me tient à cœur. J'ai dit merci à tous ceux qui nous soutiennent. Parce qu'il y a tous les instruments de musique dans le monde. Mais c'est cet instrument de musique, guitare, qui est de la Côte d'Ivoire. Donc vraiment, je veux que nous puissions donner une chance à cet instrument aussi de grandir. Parce que quand on parle de guitare trois cordes, les gens se moquent. Vraiment, moi, ça me fait mal. Et je soutiens dessus. J'ai fait mon rapport de stage dessus. En master, je vais soutenir dessus. Je suis en train d'écrire des livres. Voilà. Vraiment, je compte faire de ça quelque chose de grand. Je vous dis merci. Moi, j'adore ce genre de jeunes qui ont de l'ambition et qui croient en ce qu'ils font. Tu vois, moi, je te soutiens. Hein. Je prendrai ton numéro, je te soutiens. D'accord? Voilà. Et si tu soutiens, tu as déjà fait ta soutenance? Tu as déjà? L'année prochaine, Inch'Allah, que Dieu nous donne longue vie, tu auras mon numéro personnel, tu vas m'inviter à ta soutenance. D'accord? DJ Ponge, tu vois, grâce à toi, grand Yannick est connu maintenant bien. Ouais. Merci à toi. Non. On te dit merci. Non, maman, merci, là, c'est pour toi. Non, nous aussi, on te dit merci. Ah, merci parce que tu n'es pas obligé de venir avec grand Yannick. Oui. Ou bien, ouais. Ça veut dire que tu as bon cœur. On dit, Dieu a dit que tous les. Dieu a couché, il a couché un garçon.
Dieu, il a enlevé un garçon et puis une femme. Il dit, Naga s'est marié pour enlever nous tous. Donc, quand passons, on a commencé de sortir dans Niamien là. On est sorti de. Je ne sais pas comment expliquer quoi. Je comprends ce que tu veux dire. Tu es baoulé ou bien tu es français? Je suis français. Tu es en baoulé? Bonne fois. Je suis pas baoulé. Mais tu peux expliquer en baoulé. Oscar, voilà. Viens. Il est où? Chef plateau Oscar, grand baoulé de son état. Il faut expliquer en baoulé. Oscar va traduire. Les fans apprécient les premiers ministres. Viens. Mais ouais, nous, je vous l'ai dit. Il dit, ah, c'est quand lui qui traduit, toi qui parles. Faut faire en baoulé. Explique en baoulé. Et puis il va parler ce français. Mais oui. Wango, il dit, quand Dieu a créé le monde, il a créé le monde. Uh-huh. Le monde entier, à France, à Paris, à Bengue, Korogo, Guinée, Équatoria. Guinée, Équatoria, loi. Maintenant. Guinée, Équatoria, et puis. Partout. Au plateau. Au plateau. Au plateau des États-Unis. Tout ça. Maintenant. Voilà. Donc, chacun a son apprenti. Uh-huh. Voilà. Oh. Moi, j'ai créé beaucoup les autres, quoi. Voyez moi Arafat, quand il est venu, bon, il a créé beaucoup les eaux. Il faut dire en baoulé où Arafat, que balilé, c'est pas Arafat, c'est un doutsaga. Que balilé, il y a tissé à il est. C'est lui qui a créé Arafat. Il y a Arafat, il a créé coupé décalé. Il a commencé coupé décalé deux sur un. Et puis quand il est mort, il est décédé la mort. Et puis Arafat aussi. Arrêtez de bonda. Quand vous bonda là, ça fatigue mon oreille. Voilà. Voyez-vous ce qu'il y a caillou dedans. S'il n'est pas fait quoi là, ça tombe pas. Bon, il n'a qu'à traduire. Mais qu'il là, a faut dit. Dire, c'est quoi dit, tradition. Le monde te voit, hein, frère. D'accord, ouais. Le congélateur dit que, voilà, quand Dieu a créé le monde, ils étaient devenus deux, la femme et l'homme. Et après l'évolution du temps, voilà, et on a multiplié la terre, les hommes. Et par ce passage-là, maintenant, il y a Doub Saga qui a propulsé le coupé décalé. Et aujourd'hui, lui, il fait référence aussi à Doub Saga et Arafat. À Arafat pour envoyer encore cette musique encore loin. C'est bon, hein? Bon, bah oui. Merci. Merci, maman. Momo. Ça a dit, chacun a son apprenti, quoi. Toi, tu ne peux pas venir et puis tu arrives. Moi, voilà mes apprentis. Lui, là, non, elle, là. C'est moi, il parle. Là, il était moi. Comment ton émission? Ici, là, c'est moi qui commande. Il ne t'a pas dit ça. C'est mon apprenti qui est là. Moi aussi, c'est mon apprenti qui est là-bas. Moi, c'est mon apprenti qui est blanc là. C'est mon apprenti et puis c'est mon climatisé. C'est mon patron. Bah, moi, je ne sais pas jouer guitare. Lui aussi, il ne sait pas chanter. Donc, si moi, il sait chanter, lui, il sait chanter. Si lui, il sait jouer guitare, moi, il sait jouer guitare. Là, on est comme. Vous devez vous. Voilà, on est comme. Sous-souris. Bah, sous-souris là, quand il dormait là, il y a chacun son bas là. Un chauve-souris. Vous êtes comme chauve-souris. Vous attrape comme ça. Mais là, on est trappé comme ça pour dormir. Pour monter. On s'aide comme ça jusqu'à arriver à bas, en bas, à ses mois. On a un instrument là, on va mettre. Tu vas faire petit à ta là. Ok, Inagame. Mais viens au milieu. Yeah. Après, c'est le prédanceur. Après, c'est le droit de couper les carrés. Et la brigade, vous en voulez. Yeah. Alléluia. Amen. Alléluia. Va pour nous. Quand il dit toi, vous dites toi. Va pour nous. Toi. Mais vous êtes bobo ou bien? Bon, c'est bon, dis c'est bon. Allez, gâtez. Y va. Ton nom s'appelle comment? Ividero. Faut regarder devant. Regardez là-bas. Je m'abrégate, maman, et vidéo. Faut regarder comme ça. Je m'abrégate, maman, et vidéo. Viens ici comme ça. Aïe, t'es où? Je m'abrégate, maman, et vidéo. Vous pouvez décaler, c'est pas facile. Moi, je m'appelle quand je rentre, comme dans un bras, maman, s'appelle, maman, chérie, des vidéo. On est venu, télévision, un moutin. C'est là. Allez, bougez les rênes. Mini-pack. Prends vos autres. Passez, magnan. On y va. Soulevez les vannes. Tournez les ronds. Tournez les rênes.
que Dieu les tête, que Dieu les tête. Fait que vous parlez, 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 bougez, non, tapez, non, sautez, non, sautez, non, Dieu m'appelle, comment dans un bras de collègue. Je dis, elle va t'aimer. On y va, on y va, on y va, si l'on va, que la Dieu les met, on y va. Soulevez, soulevez les pieds, soulevez les pieds, soulevez les pieds, soulevez les pieds. Allez, soulevez les pieds. Si tu ne peux pas soulever, pour mettre ta main en bas, tu vas soulever. Parce qu'on n'est pas venu rigoler. Pata, ma pata, soyons, ma pouka serré, ma pouka badje, ma pouka badje, ma pouka rupoutou, ma pouka tiré. Pam, pam, digi, 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 pam, pam. Je m'appelle commandant Gouda, je m'appelle Gouda, je m'appelle. J'ai déjà fait qu'un fort à Kafo, j'ai déjà fait qu'un fort à Kafo, j'ai déjà fait qu'un fort. On y va, il pète, boudou, boudou, quoi, tu es bloqué là-bas. J'adore. Bravo. Viens, mon chéri.
Émission, émission d'aujourd'hui, là, même c'est comme, je sais pas, bon, nous, on est assis ici, ça fait, depuis le début, on n'a même pas posé un mot. Donc, Hassan. Je comprends pas quoi. Hassan. Tu as parlé, frère. Hassan. Depuis elle, c'est elle. Hassan. Il n'y a pas qui ne sont partagés. Pas non, mais, Hassan, c'est mon émission. Ah, enfin. Finally. Sors, mon frère. En fait, quand tu sors, c'est pas pour revenir. Tu t'en vas à la maison. Mais tu es dispensé de cette émission. Tu vas me manquer, mon frère. Ah, pardon. Tu es dispensé de cette émission pour aujourd'hui. Tu peux rentrer chez toi. Congé. C'est sûr. Congé. Faut partir. Ah. Bye. Je, t'as bien chanté, hein. Mais ici, là, c'est émission de talk. Bye, bye. Ça va, mon chéri. Pour la petite histoire, j'ai fait sa connaissance pendant un live il y a 3 jours. Et puis, il m'a dit, Tata Ivy, je veux chanter pour toi. Il a chanté, j'ai dit, bon, tiens, tu vas venir à l'émission. Et c'est comme ça qu'il est là. Merci. Bravo. Quand tu as voulu monter sur le live, est-ce que tu pensais déjà que j'allais accepter ou... Franchement, non. Je ne pensais pas que vous allez accepter parce que j'ai plusieurs fois j'ai vu des lives de certaines célébrités où j'ai voulu monter, mais ils n'ont pas accepté. Tu veux pleurer? Non, pas du tout. Mais tes yeux ont rougi un coup, qu'est-ce qu'il y a? Ils n'ont pas accepté. T'as Apollo? Aïe! Non, je n'ai pas Apollo. D'accord. Non, ils n'ont pas accepté. Mais là, je ne m'attendais pas à ce que vous acceptiez que je monte sur votre live. Et j'ai insisté plusieurs fois. Après, lorsque Shine est descendu, vous m'avez fait monter. Bon, moi, il dit que c'est une grâce, quoi. Ensemble. En tout cas, tu chantes très bien. Je pense que ces personnes sur le plateau peuvent en témoigner, même le public. Oui. Tu chantes magnifiquement bien. Merci. Et je te souhaite une très belle carrière. Tu as une licence, c'est ça? Je suis en master à l'INSAC. Oui. Et professeur de musique au conservatoire, à la formation continue. Bravo. Félicitations. Et puis, j'espère que par cette émission-là, ça va faire le bim. Vraiment. Quand je venais ici, c'est ce que j'ai dit. Voilà. Et Dieu va exaucer ça. Merci beaucoup. Je t'en prie. Bravo. Congé, toi qui es un grand artiste musicien qui joue de la guitare, qu'est-ce que tu penses de ce jeune artiste qui débute dans la musique? Est-ce qu'il est fort? Il est fort. Qu'est-ce que tu peux lui donner comme conseil? Il chante là, il ne comprend pas. Ah, on dirait... C'est embêté. Attendez. C'est pas à Bengui là-bas. Les Tunis sont à Bengui là-bas. Là, les Guinées équatoriales, on dirait. Il parle comme les Guinées équatoriales. Oui. Mais il est fort quand même. Dédicace spéciale à Monsieur Gbalou Nazaire. Moukoulou, koulou, 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 cette affaire-là, Siri Nyako. On va se faire un placali sauce copé. De Balzac. Ivy. En tant que manager, est-ce que tu penses... Déjà, tu es manager depuis combien d'années? Ça date. Ça va faire un peu... On va dire quoi? 2000... De manière régulière, on va dire 2008-2007. Donc, je suis à... Quoi, 10 ans, un peu plus. Tu es bêté? Non. Mais tu ressens... Mais, très souvent, on me dit mais que... Mais tu ressembles à un ami aussi. Bon, pas un ami, hein. Un grand frère. Quelqu'un que je considérais comme un ami, comme un grand frère, mais qui ne fait plus partie de mes proches. Qui on s'appelle Clément La Merveille. Oro Clément. Qui a été manager aussi, à l'époque. D'accord. Au Mix. Au Mix? Oui, Clément, Clemso. Vous ressemblez. Oui, Clemso. Clemso, la merveille. La merveille, le merveilleux, vous ressemblez oui, beaucoup. Je connais Clemso. Et c'était mon grand frère, ce n'est plus mon grand frère. Ah, c'était oui. Ah, mais pourquoi? Bon, bref, est-ce qu'il y a un passons. Si, passons. Tu es un très bel homme, comme merci. Clément également. Merci. Alors, donc, pour revenir. Donc, voilà, c'est depuis 2006, c'est vraiment il y a longtemps, mais je veux dire de manière régulière, on va dire 2008-2009. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous devenir manager, en fait? Pourquoi ce choix de carrière? Bah, je veux dire que c'est venu,
comme ça, parce que moi déjà, j'aime tout ce qui est animation, parce que je fais aussi, je suis animateur radio, télé et tout. Ah, super. J'aime bien ça. Et c'était à l'époque, à la période où il y avait eu la crise. Mm-hmm. J'ai eu mon diplôme, mais je n'avais pas de stage et tout ça, le temps d'avoir un stage. Diplôme en J'étais en BTS en communication d'entreprise. D'entreprise, OK. Voilà, donc le temps d'avoir un stage, j'ai un ami qui animait dans un maquis qui n'était pas loin de la maison. Et donc, voilà, je suis allé le voir, j'ai dit bon. Ouais. Il y avait les couvre-feu, tout ça à l'époque. Ouvre-moi un truc. Et donc, comme moi, j'habitais à côté, donc les gars, ils me laissent et ils s'en vont. Et puis bon, moi, je gère le reste jusqu'à la fermeture, 17h, 18h. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à tutoyer le micro. Super. Et à côtoyer le monde de la nuit. Et après, j'ai eu une place d'animateur radio. C'était à la radio du plateau ici. Et donc là, j'ai fait 4 ans, 5 ans. Et c'est comme ça que j'ai commencé à fréquenter les artistes, les managers, commencer à côtoyer un peu tout le monde, puisque je recevais les artistes. On faisait des émissions publiques, ici même au plateau. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à fréquenter le milieu. Et parce après, que... avec le même ami, qui m'a donné la chance d'être DJ, quand on a commencé, il voulait chanter et tout. Donc, j'étais son premier manager. C'est comme ça qu'on s'est débrouillé, on a fait un premier album, La Créance DJ, que je salue au passage. Et on a fait un premier album, donc on s'est débrouillé comme on pouvait. Et après, je suis venu avec quelqu'un que tu connais bien, Guillaume Vergès. Ah oui, Guillaume à Vergès. Qui on fait un salam. Et donc j'ai été son assistant pendant plus de 10 ans, jusqu'à ce qu'il parte en Europe. Donc avec lui, je suis vraiment entré dans le milieu du show business. Voilà. Ok, d'accord. Et le manager avec Abou Nidal. Super. Je suis entré par la grande porte, quoi. C'est très bien. Donc, c'est très bien. Et puis, il faut dire aussi que le sérieux t'a ouvert certaines portes. Ben voilà, en tout cas, c'est je veux dire, dans ce milieu, c'est l'image que vous ramenez, que les gens vous renvoient. Voilà. Il faut aimer déjà, il faut être passionné de la chose. Parce qu'en tant que manager, on ne gagne pas beaucoup au début. C'est ça. Au début. Et donc, il faut être vraiment passionné. Au début, on peut gagner combien comme ça? Non, on ne peut pas chiffrer parce que... Si l'artiste n'est pas trop connu. C'est nous qui sortons l'argent quand c'est comme ça au début. Il faut aller tourner avec l'artiste. Voilà, il faut aller au charbon, voir les contacts et tout. C'est quand l'artiste commence à tourner qu'on peut avoir des... Est-ce que vous êtes inscrit... Excuse-moi. Mm-hmm. Est-ce que vous êtes inscrit au Burida, par exemple? Non, le Burida, ce n'est pas pour les managers. Non, mais bon, je me dis que vous... Non, avez... le Burida, ce n'est pas pour les managers. Ici, en Côte d'Ivoire, c'est maintenant... Parce qu'ailleurs, dans le monde... Non, parce que moi, j'ai assisté à une séance au Burida. Je passe un salam au DG du Burida, où je pense qu'il y a un truc qui va bientôt sortir les managers. C'est ce que je voulais dire. C'est pourquoi il faut remercier Madame la ministre, qui, dès qu'elle est arrivée, a pris à bras le corps ce problème du statut du Madame la ministre, manager. Madame Remarque. Oui. Voilà, qui a pris à bras le corps ce statut de l'artiste, le statut du manager aussi. Et donc, ce que je veux savoir, c'est est-ce que vous avez un artiste actuellement sous la main? Et si oui, ça fait combien d'années que vous êtes ensemble? On bosse ensemble depuis 2016. C'est Mike Alabi. Depuis ses débuts. Attends, c'est super. Attends. On s'est déjà rencontrés. D'accord. On veut savoir. J'ai dit le visage. Voilà. Mais dis quelque chose. C'est toi, tu me faisais les clins d'œil là, non? Comment ça? Non, c'est pas moi. On n'est pas témoin de vos histoires. Voilà. Non, mais, j'étais là, mais j'ai pas fait les clés d'œil. Non, je rigole. Comme artiste, Mike. Non, mais attends. C'est ça. Mais c'est dites-nous, non, c'est assez, ça. On parce que quand tu partais, mais tu m'as fait tu même au coucou forcer même. Après. J'ai dit au revoir. Oui, j'ai au coin là, même au coin là. J'ai dit au revoir là. Non, c'est quel coin là, non? Non, j'ai dit au revoir là. Non, au coin là. En fait, le public ne sait pas c'est quel coin. Attends, c'est au coin là, non? Le dernier coin. Quel dernier coin? Le premier coin? Non, on était dans un cheminement. On était dans un cheminement. Jusqu'à 4 heures, effectivement. Il ne faut pas citer les contemporains. Il dit qu'il est fatigué. L'artiste dit... Mon mini est pauvre. Hein? Bien pris là, je suis assis dessus là, mon mini là, tout c'est quoi. C'est quoi. Donc il faut t'arrêter un peu. Oui, il a été arrêté un peu. Voilà. Oui, je vois maintenant, voilà, je vois. Avec Mike, ça fait oui, mais parce que Mike quand même, il tourne bien, hein.
Donc, on essaie de gérer depuis 2016. Ah, c'est très avec, bien. C'est avec lui, son comportement, est-ce que ça va? Non, moi, je le dis toujours à qui veut l'entendre que j'ai, peut-être par rapport aussi à ma manière d'être, je suis tombé sur un artiste qui comprend la chose et qui déjà est bien éduqué à la base. C'est ça. À la base, il a une bonne éducation. Et voilà. Est-ce qu'il est gentil sur l'argent pour partager les... Non, je veux dire, aujourd'hui, on n'est même plus à ce niveau. On est partenaire d'affaires. Voilà. À côté de la musique, on a nos entreprises. On collabore sur d'autres choses qui n'ont rien à voir avec la musique. C'est très bien. On est devenus frères. Nos familles se connaissent. On se fréquente. C'est super. Et donc, aujourd'hui, on est dans une autre dimension. On est dans autre chose. Une autre dimension. Mais pour arriver à ça, il y a eu des débuts. C'est un travail. Effectivement. C'est le sérieux. C'est se faire confiance, se parler. Se parler même sans ouvrir la bouche, se comprendre tout de suite. En code. Voilà. Oui, donc... comme la dernière fois, effectivement. Cette dernière fois-là, si on n'est pas au courant de ça, c'est pas bon. Hein. C'est maintenant que je remarque. Alors, nous avons deux éléments. Patrick, tu as vu qu'Hassan est parti. Je suis très sévère ce soir. Ne provoque pas le clou de girofle. Nous avons deux vidéos. À tout de suite. Les choses prenaient tellement une tournure que vieux, moi-même. Je suis allé me former en tant que manager d'artiste. C'est-à-dire que je connais mes trucs en tant qu'artiste, anti-chanteur. Mais je suis allé maintenant me former en tant que manager. La grande sœur Magali Oua, que je salue depuis le Gabon, elle pourra témoigner comment à minuit, je ne sais quoi, la veille de son voyage, je suis allé courir derrière elle demain, pardon, pour qu'elle me vende ses livres sur le management en Afrique. Parce qu'il voulait apprendre. J'ai fait les formations ici à gauche, à droite, pour savoir ce qu'il faut dans l'univers musical d'un artiste. Chris, de son côté, il allait voir tous les vieux pères qui sont des as en gestion d'entreprise pour qu'on puisse coller le côté business musical, le côté société. Il a pris tout ça là, il a mis ça sur un papier vieux. Pas dit, t'es dit que tu ne te souviens pas. J'ai mis ça sur un papier, une fiche de poste. Et je lui ai dit, vieux, c'est vrai que tu ne veux pas, ta formation qui tient le papier. Voici ce que tu dois maîtriser. Ça, c'est ta fiche de poste. Voici ce que tu dois maîtriser pour le rôle que tu as. T'as dit, moi, mais il te montre maintenant. Vieux, il ne sait même pas si depuis le jour où on a fait cette réunion, tu as encore vu le papier là. Réunion, même tous les lundis pour venir, c'est compliqué. Parce que c'est pas que ça ne t'intéresse pas, mais tu as toujours quelque chose à faire. On fait réunion pour le travail, papier dans des trucs. Il ne sait pas ce que tu fais. Aujourd'hui, tu vas dire que Jules Beco n'est pas professionnel. Jules Beco qui a géré ta carrière depuis que tu étais tout petit. Jules Beco qui a participé à ton évolution, aujourd'hui Jules Beco n'est pas professionnel. Oui, Jules Beco n'est pas professionnel parce que Jules Beco n'a pas effectivement fait l'école de management. S'il y a un seul manager qui a fait école de management artistique, c'est qu'il lève la main. Nous tous, on a appris dans le tas. Quand je suis allé demander la permission aux parents, je n'avais pas fait d'école de management. Mais avec mes petits moyens, je suis rentré de gauche à droite pour sortir ce qu'on est aujourd'hui. Et après, c'est comme ça que tu as commencé à envoyer des gens autour de nous. Et je n'avais jamais refusé quelqu'un. Je n'avais jamais refusé quelqu'un parce que si quelqu'un doit apporter une pierre à l'édifice et que ça fait avancer le mouvement, on est dedans. C'est comme ça que tu m'as proposé ton petit frère, l'autre qui est venu. On était deux au départ, mais je ne savais pas si tu avais commencé à des gens. Parce que quand on allait demander la permission à ta maman, moi, je n'avais pas vu quelqu'un autour de toi. J'étais avec mon ami Sko, qui m'a parlé de toi, qui m'a dit, viens travailler avec un jeune. Je lui ai dit, moi, tu sais bien que les histoires de management, je ne vais plus m'intéresser. Je vais m'intéresser à mes trucs de films et autres. Il m'a dit, vas-y, frère. On peut trouver une solution à tout chose, faut gérer. Je lui ai dit, même, et puis tu m'as dit que c'est un rappeur, les histoires de rap, je ne suis pas dedans. Il dit, non, gère, frère. Et c'est comme ça qu'on a commencé la carrière. Vraiment, c'est triste. Moi, je trouve que c'est triste et c'est dommage qu'ils puissent se séparer de la sorte. C'est vrai que quand on commence quelque chose, il y a plusieurs chemins, il y a plusieurs éventualités. Il faut se parer à toute éventualité, d'où la séparation. Mais franchement, c'est triste que ça se termine de la sorte. Patrick Edouard. On me dit, c'est moi le méchant de l'histoire. Moi, je trouve personnellement que Suspect a bien fait, en fait. Moi, c'est mon avis. Je pense qu'arrivé à un moment, un artiste doit évoluer. Il doit partir avec des gens qui travaillent, il doit partir avec des gens qui ont une vision. Si son manager n'a pas de vision et son manager ne prend pas des risques
et ne fait pas la part des choses pour le développement de son artiste, c'est mieux que son artiste se débarrasse de lui. Désolé d'utiliser ce terme-là. Parce qu'après, c'est lui, demain, c'est son image, demain, c'est son évolution, demain, c'est sa notoriété qu'il met en jeu. Donc, il ne va pas travailler avec des personnes qui préfèrent mettre leur carrière en avant plutôt que lui, sa carrière. Parce que quand tu es manager, c'est aussi une forme de sacrifice. Il faut être fort. Il n'est pas fort. Voilà. Mimi? Bon, c'est tellement triste, la situation. Voilà, parce que... Toi, tu as une amie à Jules Beko. Je connais les deux. J'ai vu dans les débuts. J'ai vu comme... Dans les débuts. Toi, tu as vu dans les débuts. Comment ça s'est passé? Combien de fois Jules Beko tournait ça et là pour... promouvoir son artiste. Non, je suis en train d'expliquer pour parler, pour mettre la carrière de ce dernier Suspect 95 en avant. Voilà, il y a eu des sacrifices. Moi, je pense que s'il doit avoir séparation, que cela peut-être se fasse dans la paix du Seigneur. Si. Ça a été peut-être un malentendu. Mmh. Mais il a fait ça depuis l'année dernière. Non, ça a été peut-être un malentendu. Il y a eu peut-être négligence. Peut-être souvent, quand on est tous ensemble, il y a trop d'affinités, il n'y a plus la concentration, peut-être en quelque sorte. L'engouement. Je n'accuse personne. Je me dis que s'il doit y avoir séparation, que cela se fasse dans la paix du Seigneur. Mais pas comme ça, parce qu'ils ont... Excuse-moi, ce qu'on oublie, avant que les autres interviennent, ce qu'on oublie, c'est que dans le live, il a expliqué qu'il a rencontré le monsieur à plusieurs reprises. Et une fois il a rencontré, ils ont eu une réunion et ils ont débattu. Voilà, voilà, ça fait un an, c'est plus Doji, manager, Dodo, en fait. Doji, toi qui es artiste aussi, tu es un manager? Non. Oui, mais tu as suivi cette histoire? Oui, bien sûr que j'ai suivi cette histoire. Ta critique? Mais bon, moi je dis toujours, la plupart des artistes sont des ingrats. Mm-hmm. Parce que moi, j'ai eu beaucoup de cas comme ça. Je ne suis pas manager, mais j'ai beaucoup aidé les artistes dans mon pays. Mais les artistes, la plupart sont des ingrats. Parce que tu ramasses un artiste, pas ramasser, mais tu aides un artiste dès son début. Arrivé à un moment, parce qu'on l'appelle, c'est lui la star, il devient gonflé. Très, très, très gonflé, et voilà, il devient insupportable et des fois, il te dit... tout à l'heure, il a dit que, voilà, Jules Beko a dit qu'il n'a pas fait de, je sais pas... L'école de management. Mais ils n'ont pas commencé comme ça. Les artistes sont des ingrats, c'est ce que moi, je dis. Surtout les artistes chanteurs, la plupart sont des ingrats. Voilà. Non, mais tu es un artiste qui a été ingrat? tu es artiste, c'est ça, non? Non, moi, je suis make-up artiste, comédien, voilà, je ne chante pas, mais... J'ai connu beaucoup d'artistes. J'étais même un danseur d'un grand artiste, le roi de la musique de chez moi, qui est King Mason. J'étais l'un de ses enfants. J'ai travaillé avec beaucoup d'artistes où j'étais derrière, voilà, les cabines et tout. C'est pas facile. C'est pas du tout facile. C'est pas du tout facile. Donc voilà. Toi, tu soutiens les managers. Toi, tu soutiens qui? Moi, je soutiens. Manager, artiste, tu soutiens qui? En toute sincérité, je soutiens Jules Beko. Jules Beko, moi, Patrick Edouard. Moi, c'est Suspect 95. Doji. Moi, c'est le manager. Hein. Jules Beko. Oui. Congé. Moi, je soutiens les élèves. Hein? Mais quoi? On va pas s'en sortir. Non, mais en fait, Ivy, avant, je pense que tu veux faire un tour de table. Avant de... Ça va? OK. Tu soutiens les élèves? Oui, moi, il aime les élèves, donc il soutient eux. D'accord. Et c'est leur roi. Tu es leur roi, d'accord. Non, mais Ivy... Il est devenu profiteur de maths. Professeur de maths. Profiteur de maths. D'accord, allons-y. Oui, en fait, moi, ce que je vais dire pour rebondir sur ce qu'il dit, en fait, un artiste ne va pas, excuse-moi, il ne va pas se coltiner un manager qui ne l'arrange pas, en fait. Manager Whitey, s'il te plaît. Arrive un moment dans ta carrière, quel que soit ce que le manager t'a apporté de bien ou de... On va terminer avec des Balzac. Tu fais un bilan. Quand tu vois que malheureusement, il n'apporte rien à ta carrière, tu fais évoluer, tu t'en débarrasses. Non, moi, je profite pour faire... manager et vous attendez. Non, mais je profite pour faire un coup à mon manager, qui est mon frère, Monsieur Benoît Kofi, manager. Bien fait. Mon grand frère, Monsieur Benoît Kofi, gros bisous. Attendez, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Manager, toi qui es manager de DJ Congélateur, tu as été auparavant manager d'autres artistes? Effectivement, j'ai été manager de plusieurs artistes. Voilà, Landry Blessing qui est connu, Francis Desgloire, et puis bon, il y a encore d'autres artistes. Quelle est ta critique sur cette histoire? J'ai pas une critique en tant que telle à faire sur cette situation, parce que dans cette situation, se passe beaucoup en Côte d'Ivoire. Voilà, partout dans le monde, il y a des séparations. Alors, je ne peux pas accuser l'artiste. C'est ça. Je ne peux pas aussi accuser le manager.
Mais peut-être c'est la manière dont la séparation s'est passée qui n'est pas jolie. Voilà, aujourd'hui, il y a d'autres personnes qui peuvent interpréter comme ils veulent. Mais ce sont des choses qui arrivent. Voilà, le manager fait son travail, l'artiste aussi fait son travail. Mais arrivé à un certain moment, ils ont besoin de se séparer pour avancer. Peut-être c'est la décision de... Mais Beko et Jules, quel est ta... Beko j'ai dit Beko et Jules. Beko. Jules Beko et suspect. Quelle est ta lecture? Pour ma lecture, je me dis quoi? C'est depuis la base. C'est depuis la base, ils devaient essayer de s'organiser jusqu'à ce qu'on arrive là aujourd'hui. Bon, on ne peut pas accuser. Moi, je ne peux pas accuser quelqu'un. Voilà, non, nous-mêmes, on ne veut pas que tu accuses. Mais en tant que manager... Bon, en tant que manager, c'est des situations qu'on a l'habitude de voir. Mm-hmm. Donc aujourd'hui, ça, c'est et pas étonnant. Et toi, tu es du côté de suspect ou Jules? Je ne suis pas d'un côté. Tu es au milieu. Voilà, je suis au milieu, je respecte les deux. Mm-hmm. Les deux sont des artistes, parce qu'un manager aussi, c'est un artiste. Mm-hmm. Comment organiser la carrière d'un artiste? Le manager est vraiment, vraiment, vraiment... Aussi un artiste. Sans, voilà, aussi. C'est un artiste même, c'est un artiste. Parce que réfléchir, placer des choses, mettre des plans... Et si demain, congédie, il ne veut plus travailler avec toi? Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Parce que normalement, le manager et l'artiste, avant de commencer, vous devez mettre un contrat. Vous partez sur la base du contrat. Et après, s'il doit avoir séparation, c'est que vous avez discuté. Voilà, c'est après discussion, là, la séparation. D'accord. Mais si ça arrive, bon... C'est ça. Que si on prie pour que bon, il puisse avancer. D'accord. Dans d'autres carrières. Merci, merci. De Balzac, l'homme du coin. De Balzac. Il a dit De Balzac m'a fait clin d'œil. De toute façon, il a sauté maintenant pour placer sa vu, bague. Tu n'avais pas mais vu. Mais depuis ta... maintenant, quand j'ai dit clin d'œil là, il a assis comme ça. Au début, là, il était passé comme ça. Maintenant, il est comme ça. Non, mais dès qu'il est tourné, tu places sur toi, il place sur moi aussi. C'est une histoire de bague. La guerre de bague. Non, mais non. La guerre de bague. J'étais assis comme ça depuis. Non, je n'avais pas vu. Ah, d'accord. Quand j'ai dit clin d'œil en même temps, il a fait comme ça. Sans qu'on essaie, il dit c'est pas moi. C'est pas moi. Ça, ce sont les hommes battus, là. On sent qu'il a peur. Dédicace à madame. Madame Kofi. Madame Kofi, gros bisous. Madame Kofi, gros bisous. Tu voulais dire quelque chose? Elle est branchée. Non, elle est branchée. Ah. Elle est branchée. Depuis ça n'a pas encore commencé, elle est branchée. Mimi, j'ai dit, dès qu'il a tourné ma tête, il m'a monté bague. Moi-même, j'ai été désarmée. Mon cher, il est marié. C'est bague qui est quoi dans ce pays? Hein? Les filles, là, même, c'est quand ils ont bague, même, qu'elles tremblent. Elles sont inspirées. C'est pour ça que moi, je n'ai pas voulu me mettre avec... L'homme noir. Un homme basané. Où je suis là? C'est sans stress. Il n'y a pas stress là. Il n'y a pas jalousie. Il n'y a pas fouillé dans portable. Ah. C'est la première fois, moi, je ne fouille pas dans portable. Je dors tranquillement, je me réveille tranquillement. Je suis concentrée sur ma carrière. C'est important. Sans voilà. Stress. Stress. Donc, stress je vous là. Dis, mes sœurs, venez ah bon? À moi. Ah, mais c'est yes. Mais je dis, je vous donnerai mais c'est le pas recours. Facile d'avoir ce genre de paix. Hein? Ce genre de paix, c'est un peu difficile sur le ma marché. Ma soeur, c'est la grâce. Ah, c'est ça c'est aussi. La grâce, c'est ça. La grâce, c'est la grâce. C'est comme la poisson. Progérie. Quand tu as lancé ton amaisson, voilà. Tu ne sais pas ce qui va sortir. Il faut savoir piquer. Moi, j'ai lancé, ça a pris baleine. J'ai attrapé. De Balzac, oui. On va commencer un peu, on va aller à la pub et puis tu vas terminer. Quelle est ta lecture d'accord. De cette situation bah... Déjà en tant que manager, mm-hmm. Après tu vas prendre le côté artistique. Bah, comme j'ai mon collègue qui l'a dit tout à l'heure, c'est tout part des relations humaines. C'est une collaboration qui aujourd'hui, soit au grand jour, ça n'a pas marché. Et chacun... donne ses raisons. Pour moi, ma lecture, c'est moi, j'aurais préféré que ça se passe vraiment caméra. Dans le silence. Chacun prend son côté. Et puis, bon, voilà, on se voit demain, on se salue. On peut être sur d'autres projets, vous voyez. Mais bon, ça fait quand même un bon bout de temps qu'il ne collabore plus. Je ne sais pas pourquoi est-ce que c'est maintenant que c'est sorti bien. Au grand jour. Mais il paraît que la publication a été faite par Jules. C'est-à-dire il est parti sur une fausse. Il est parti sur une fausse publication de Suspect gens... 95. En fait, Suspect 95 ne s'est même pas exprimé, même sur le fait qu'ils se soient séparés. Il y a des pages Facebook, comme d'habitude, fake, qui ont donné une mauvaise information. Et c'est sur cette base qu'il a fait une publication
en lançant une sorte de pic à Suspect 95. Et par-delà, les commentaires ont commencé... Quand tu as vu pic dans ce qu'il a écrit. Non, il a lancé... C'est... Quand tu lis le truc, on a senti ça. Donc, les commentaires après, les gens ont renchéri, ils ont agrémenté de beaucoup de choses. Et ensuite, il y a une... Attends, où il a dit « Je ne vais plus jamais tendre la main à un artiste en herbe ». Voilà. Et après, il y a eu une autre publication encore qui est sortie. Et bon, Suspect était obligé de faire ce direct-là pour pouvoir recadrer aussi, les choses. Se blanchir. Et il a expliqué que c'est depuis un an qu'il n'est plus... Jules Béco n'est plus son manager. Donc, de Balzac. Voilà. Donc pour moi ça aurait dû se passer autrement. On garde de bonnes relations. Ça n'a pas marché. Voilà, on peut sur d'autres projets. Il y a d'autres projets. Voilà, c'est un mariage, oui, au fait. Oui, c'est un mariage. Parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est des métiers. L'artiste, chanteur et le manager, c'est des métiers de passion. Mm-hmm. Des métiers de passion. Et donc, vous devez vous entendre. L'esprit doit être un pour avancer. Mm-hmm. Si ça n'a pas marché, si ça ne marche pas aujourd'hui, on se sépare. Mais la sortie, moi, personnellement, en tant que manager, je n'ai pas apprécié la sortie de Suspect. Mm-hmm. Parce que c'est un grand frère. Et c'est quelqu'un avec qui tu as collaboré. Et quand tu lis tout le discours, c'est comme une sorte d'injure. Ce côté-là, je n'ai pas supporté. Je n'ai pas vraiment aimé. J'aurais aimé qu'il puisse s'exprimer, mais pas aller jusqu'à injurier Jules Béco. Il a dit quoi? Voilà. C'est des propos un peu condescendants. Ça le descend. Ou il a dit que le gars a mangé, a bouffé un peu d'argent. L'argent, et le gars, il ne connaît rien, il n'a rien appris et tout ça. Bon, c'est des choses qui... Je veux dire, par rapport à ce que vous avez vécu, c'est des choses à ne pas dire. Voilà. Et donc, après, Béco aussi est sorti. Ce qui fait pitié, il a dit des choses. Il a fait un accident. Non, mais ça veut dire que ça colle avec la situation. On va aller à la pub, on va revenir. Toi, mais rien. Mais ça n'a rien à voir. Oh. Non, il est blessé et puis il explique. Pub. C'est sur NCI, la chaîne étoilée. Ça se passe ici et nulle part ailleurs. Ce soir, cette émission est dédiée à mon DG. Mon DG à moi, Monsieur Ange Guéhi. Oui. Tu vas te toucher un peu. C'est lourd. C'est pour, c'est ça. À Monsieur Ange Guéhi, DG d'NCI, qui a reçu ce prix. Vraiment ce prix-là. Le DG, même son bureau est chargé comme ça, mais il reçoit les prix seulement. Donc, mes étoiles... Dans les commentaires, félicitations le DG. Félicitations le DG Ange Guéhi. Félicitez-le, il mérite. Dédicace aussi à Mathilda la marraine et à Autorité Claveur, je suis au serré. Merci. Patrick, Doji Dodo, congé. Nous étions en train d'écouter Monsieur Claver qui va quand même équilibrer, je pense. Claver va équilibrer. Je fais un big up à sénateur Poncho et à Ezekiel. Monsieur Claver, il est où? Dans l'émission de qui? Tu m'as demandé. Bon, avant de faire le big up à Ezekiel et à sénateur Poncho, je te demande. Attends. Tu as vu comment il a sauté? Ça, c'est depuis quand? Elle doit sauter. Arrange ton micro déjà pour commencer. OK. Le micro aussi. Et puis, tu viens dans l'émission de quelqu'un. J'ai dit, sénateur Poncho, n'a pas dit, maman. Monsieur Ezekiel et monsieur sénateur Poncho, avec la permission de la Waraba, je fais un big up. En fait, tout ce qui se passe là, il n'y a rien de pas. De là où vous êtes. C'est bon. Je ne reprends plus ça. Okay. Allons-y, Nanadia. Tout à fait. Et un manager aussi. Tout à fait. Non, manager, oui. Donc je parlais du comportement, de ce qui s'est passé avec... il y a Béco aussi qui est venu. Béco aussi qui... Jules aussi maintenant. Voilà, qui a dit aussi des choses. Lui, déjà, quand il y a eu les premières publications et tout, voilà, je l'ai appelé. Pour lui dire d'arrêter. Non, c'est pas ça. Puisque c'est... La publication dont il parlait tout à l'heure, la première publication qui a provoqué tout ça, les gens pensaient que ça venait de lui. Voilà. Et après, moi, je l'ai appelé, j'étais à Paris, je l'ai appelé. Et on a parlé près de 20 minutes.
pour qu'il me... Voilà, parce que je voulais comprendre ce qui s'est passé réellement et tout ça. Il m'a expliqué plein de choses. Mais c'est mon frère, tu vois. Et dans ce qu'on disait, moi, je lui ai dit de ne pas faire, de ne pas répliquer, de ne pas aller sur ça, comprenez. Mais après, bon, tout ce qui s'est passé, il est aussi sorti pour donner sa version. Je pense que ça équilibre les choses. Mais quand vous écoutez Beko, vous lui donnez raison. Quand vous écoutez Suspect, vous lui donnez raison. Donc, moi-même, oh, honnêtement, affaire, on, deux moi, je, ne, moi je suis quelqu'un, donc, je ne mens pas. Que... Honnêtement, moi, je n'avais pas vu même... La publication de Beko. De Beko. J'ai vu seulement les coupures où on dit « Je ne donnerai plus la main, Natis en herbe, tout ça. » Et quand j'ai entendu, mon fils m'a expliqué, quand j'ai vu la vidéo de Suspect, je n'ai pas regardé la vidéo dans son entièreté, mais j'ai écouté un peu des bribes. Et j'ai dit, ah, tu as vu, j'ai dit à mon fils, j'ai dit, non, maman. Donc, on a discuté un peu. Mais là, là, la séance tenante, je viens d'écouter une petite partie de Jules Beko. Sincèrement, son sparadrap a joué pour beaucoup. Parce que moi, je suis beaucoup émotif. Donc, la mine, voilà, on dirait un kabacha. Quand il parle comme ça, ça m'a touché. Tu vois, ça m'a touché vraiment. C'est souvent là, on n'est pas obligé de se séparer devant les gens. Moi, je pense que Suspect n'a pas raison, Jules Beko n'a pas raison. Les deux n'ont pas raison, selon moi. Hein. Parce que tu dis, c'est ton petit, vous avez commencé ensemble. Si vous vous êtes séparés, ça fait un an. Quand on a mes consciences, toi-même, tu sais que ça fait un an. C'est pas aujourd'hui tu vas venir écrire que Atis en aide. Tu devais écrire ça où il t'a dit là-bas. J'ai comme l'impression que c'est parce que l'album de l'enfant veut sortir et qu'il a fait photo avec sa blanche pour dire que c'est sa femme, en même temps son manager, que il a eu goumé, ça a rêvé. C'est souvent ton gars casse ton cou. C'est pas là là qui te fait mal. C'est quand tu te promènes sur Facebook et puis tu vois, il a fait photo à une autre fille, là. C'est là, la douleur revient. Je pense que c'est ce qui est arrivé à Jules Beko. Suspect aussi, son pain qu'on dirait frigo, là. Tu as marché avec ton grand frère. Si c'est gâté, ça fait un an. Tu dis, tu l'as appelé pour lui dire, vieux, essaie de rattraper ce que tu as fait. S'il n'a pas rattrapé, que tu veux faire ta sortie pour te blanchir, comme ce que De Balzac a dit. Tu ne peux pas venir dire que le monsieur a mangé l'argent, parce que là, tu es en train de dire que c'est un voleur. C'est ce qu'il est en train de dire. Peut-être vous, vous n'avez pas eu l'audace de le dire, mais moi, je le dis. Il est en train de le traiter de voleur. Et quand tu regardes le visage de Jules Beko avec le sparadrap, ça peut t'amener à croire. Oui, effectivement, il n'y a aucun lien, en fait. Qui fait la vidéo juste pour dénoncer le fait qu'on l'ait traité de... Tu vois de voler. Il dit, il n'aurait pas fait. Et il y a le côté aussi où tu dis non, tu n'es pas obligé de venir étaler tout ça. Parce qu'il y a toujours des secrets entre artistes et managers. Ah, ben c'est clair. C'est clair. Il y a des secrets qui ne doivent pas sortir parce que ça démystifie l'un, ça démystifie l'autre. C'est clair. Et quand vous faites ça, dans toute collaboration, il y a des secrets. Que ce soit avec manager, producteur. Je fais un gros coucou même à Général Colbert. Hein? Producteur, manager, il y a toujours des secrets. Et quand on se sépare, il faut éviter de divulguer certaines informations. D'où je rejoins Whitey Manager, le contrat est nécessaire. Parce que dans les clauses du contrat, on parle de confidentialité. Une fois que c'est en frein, on peut saisir la justice. S'il y avait un contrat en bonne et due forme qui les liait, l'un des parties ou l'une des parties, je ne sais pas comment on dit, pouvait saisir son avocat pour pouvoir... truc. Donc franchement, les gars, vous avez zaï sur ce coup. Essayez de doser. Et puis, la vie continue. Vous n'êtes pas des ennemis. Regardez, vous étiez pauvres ici. Regardez-vous sur les photos. Ça, on sentait la faim. C'est pas aujourd'hui, maintenant, où ça va que, franchement, ressaisissez-vous.
Moi, je vous souhaite bon vent dans la carrière de chacun. Parce que Jules Beko aussi est acteur. Il fait un peu... Bon vent, et puis on peut collaborer. Ce n'est pas une blanche qui va vous diviser. Aïe. Je tenais à le dire. Doka. Bataille de l'eau à Abidjan. Bataille d'eau. Bataille de l'eau à Abidjan. Yopougon, il n'y a pas d'eau. J'ai vu des gens en train de courir. C'est au Maroc, non? Et je ne sais même pas, on a une vidéo. L'eau! L'eau est revenue! L'eau! Le sort de la source! L'eau! Le coup! C'est impossible. L'eau! Regardez! L'eau est là! L'eau! L'eau est là! L'eau en moi, c'est là! Les Ivoiriens sont très immatures. Les Ivoiriens ont un problème, non? Et puis, lui, il peut courir. Hey. Mais tu n'as pas vu la vidéo des gars qui ont vu l'éléphant dans la forêt ou bien dans la bouche? Non, j'ai pas suivi. Devant l'éléphant, ils ont entouré l'éléphant, ils ont commencé à chanter « Salut, au tel livre ». Pourquoi on est comme ça? Et puis, ils finissent de chanter « De la fraternité ». Le gars, il y a un petit la main qui saute sur la trompe comme ça. Oui. Bon, là, là. Et si t'es fait... Si l'animal panique et puis il fait... Les Ivoiriens. Bon, ce genre de vidéo, moi, quand je vois ça, je ne veux même pas qu'un Camerounais voit ça. Mais il a dit, déjà ça, vu. Ça, apparemment, il y a, qu'est-ce qui s'est passé? Quelque chose qui est cassé. C'est pas, c'est un gros tuyau. Vous n'êtes pas au courant. De l'or, tu as une information pour nous? Tout le monde tissu saute d'ici. C'est de l'or qui a dit. Saute d'ici. Qu'est-ce qui se passe au juste? Ça s'en va dans 2 semaines, hein? Deux pas semaines sans se laver. Heureusement que moi, je ne connais pas quelqu'un à Yopougon. Aïe! Ah, tu es à Yopougon, oui, moi, je suis en tournage en ce moment-là, donc je suis au Maroc. Je vais, je viens, il n'y a pas de l'eau, franchement. C'est là-bas, c'est au Maroc? Tu vas avec c'est ça, nous, là-bas, Maroc. Il y a au Maroc. Oui, ah. Mais il y a des endroits où l'eau vient quand même. Ceux où vous sont... tournez, là, il y a l'eau là-bas? Oui, y a de... non, mais on se lave là-bas. Tu dis là, on va partir. Faut partir. Avec nos affaires. Non, attends. Vous ne vous lavez pas là-bas, mais vous faites des besoins dans la journée. Non, je vais dire qu'avant de partir, moi, tu je, fais je tout à la dors maison. À Yopougon pour ne pas rester en retard. D'accord. Donc, là où je dors, il y a de l'eau. Mais c'est seulement au quartier Maroc ou bien tu ne sais pas si. Apparemment, y a... c'est au Maroc. D'accord. Franchement, c'est pour le Maroc que je sais. Sinon, pour. Ouh là là, c'est ça, compliqué. C'est triste, hein, quand même. Franchement, il faut pouvoir remédier à cela. Moi, je pense qu'il faut quand même envoyer. Hein? C'est dans Yopougon, même. C'est le problème de, c'est, par rapport à l'urbanisation. Mm. Les quartiers grandissent. Maroc, là. Non, Yopougon, Yopougon, ça s'en va. Ça grandit. Mais il n'y a pas de nouveaux châteaux, par exemple. Mm-hmm. Il faut donc, je qu'il dire, voit ça. Hein. Plus le nombre, il y a le nombre de personnes, plus il y a... Après ça, il y a les championnes de dictée recherchées. Ça fait près de 10 jours que je recherche ces petites-là qui sont allées... au Canada, ouais. Avec de l'or. On les cherche, on n'arrive pas à rentrer en contact avec elles parce que je voulais les recevoir sur le plateau. Et elles sont toutes mignonnes, très intelligentes. Je lance un appel, j'essaie de rentrer en contact avec leur famille. De l'or a fait mes épiers, mais on n'y arrive pas. Donc, si vous avez des personnes qui connaissent les familles, merci de nous contacter pour qu'on puisse les recevoir ici. Merci. Félicitations. Les enfants et les réseaux sociaux. J'ai suivi une vidéo sur TikTok et j'ai voulu la diffuser ici. Suivez. Marine, viens laisser commenter là, viens voir. Tu es très, très une fille. Maman, si moi-même je sais que je suis. C'est pas la beauté physique qui compte. C'est la beauté intellectuelle. Si moi, je sais que ici, là, je suis belle, c'est le plus important. C'est dépassé. Tu as entendu, ma chérie? Moi, mais c'est dépassé. Tu as entendu sa réponse? J'ai tenu à venir faire cette vidéo-là pour... Je voulais que sa réponse soit spontanée, que ça vienne d'elle-même.
Éduquez vos enfants. Éduquons nos enfants. Une petite fille, allez-y voir son profil. Elle a même partagé la vidéo de ma fille. Et après, viens mettre ce genre de commentaires. S'il vous plaît, éduquez vos enfants. Vous voyez, on est dans une phase... Les gens deviennent de plus en plus méchants sur les réseaux sociaux. La semaine dernière, nous avons reçu le jeune Abou et il parlait de harcèlement sur les réseaux sociaux. Et on rigolait, les gens pensaient qu'on l'a... On se foutait un peu. On l'a diminué ou bien... Non, non, non. Aujourd'hui, on en rit parce que on vit dans ça et puis on s'en va dans ça. Je vais parler des Ivoiriens. Les Ivoiriens deviennent de plus en plus méchants à travers les réseaux sociaux. Des gens se lèvent le matin et ils passent leur temps à insulter. Cette petite-là fait des vidéos avec sa maman. Tu l'insultes, tu dis qu'elle est très vilaine. Elle est petite comme ça. C'est pas bien. Elle a touché, elle n'a même pas pu terminer, même. Oui, comme elle l'a dit, elle est pas bien. Dodji, vous au Togo là-bas, comment ça se passe avec les réseaux sociaux? Eh bien, les réseaux sociaux au Togo, c'est pareil comme Abidjan. C'est vrai qu'Abidjan, c'est un autre monde. Hein. Mais au Togo aussi, sans vous mentir, c'est devenu quelque chose. C'est insupportable. Nous qui sommes sur les réseaux sociaux... Oui, toi, tu es webcomédien. Oui, c'est... Voilà, c'est insupportable. Et puis, il y a des personnes même qui... Moi, je reçois des personnes qui m'appellent, qui me disent, Dodo, je vais me suicider. Il y a beaucoup de personnes qui m'appellent tous les jours pour dire, Dodo, comment tu fais? Comment tu fais jusqu'à... C'est-à-dire que toi... Les gens de dénigrement ne te touchent pas. Je leur dis, aïe, avant d'arriver sur les réseaux sociaux, il faut être mentalement fort. Hein. Il faut, voilà, il faut... C'est-à-dire, quand tu ne supportes pas certaines choses, tu ne peux pas résister sur les réseaux sociaux. Il y a des mamans qui viennent, des papas viennent insulter les enfants. Et la plupart, c'est des personnes que toi-même, tu connais. Ils sont chercher des faux profils. Mmh. Ils sont déçus. Ils prennent ta photo, tes vidéos, ils viennent te dénigrer jusqu'à la fin. Les réseaux sociaux aujourd'hui, moi, je pense que c'est pas un truc... Mais le problème est aussi qu'on ne peut pas interdire aussi les réseaux sociaux aux enfants. Parce que même quand tu dis à ton enfant, ça, là, faut pas faire, tu n'as pas droit, tu n'achètes même pas le téléphone à ton enfant, je te jure que ton enfant, même qui a 8 ans, 9 ans, 10 ans, lui-même, il a déjà son téléphone sans que tu ne saches. Donc, je ne sais pas. Je pense que c'est avec la grâce ou bien la protection divine qui doit nous sauver. Parce que les réseaux sociaux au Togo, Abidjan, en Afrique, c'est compliqué. Didier Conge, les réseaux sociaux, tu as vu, les gens insultent sur Facebook, les gens, ils insultent toi-même, voilà, souvent. Voilà, dernièrement comme ça, là, on a déjà confirmé aller en France. On dit, toi, tu es jaloux. Tu les vois, gens t'ont dit tu es jaloux. Les gens insultent les gens sur Internet. Toi, qu'est-ce que tu penses de ça? Ils vont trouver Dieu là-bas. Ah, ça, voilà. C'est la meilleure réponse. C'est la meilleure réponse. C'est la meilleure réponse. Ouais, tu as fait tout et si tu veux, pour partir tuer la personne. Mais tu es content, tu as mangé, tu as dormi. Le jour Dieu dit, pour toi, est fini. Et puis, il est parti, ça a arrêté devant toi là-bas. Et puis, la route, là, s'est passé quoi? La route des filles, là, s'est passé quoi? Feu rouge. Et puis, la route de... Feu vert. Feu vert. Est-ce qu'il y a feu vert là-bas? Feu vert. La route de Dieu. Paradis. Et puis, route de l'enfer. Voilà. Ou toi, route, tu dois tourner pour aller chez Dieu, là, on dit non, non, toi, il faut passer là-bas. Voilà. Et puis, la route des filles, ça est quoi? Et puis, Dieu, il a arrêté quoi? Il va voir où tu as passé. Paye, son esprit vivant, il va te prendre pour venir dans la route de feu là. Toi aussi, tu n'as pas envie de partir là-bas. Tu veux venir aussi, mais tu ne vas pas. Tu vas à la route de feu là et puis tu arrêtes un peu. Et puis tu vas un peu et puis tu arrêtes. Jusqu'à un peu, jusqu'à et puis tu descends là-bas et puis blanc. Donc les... Manager, les réseaux sociaux. Oui, ben c'est quelque chose qu'on on finira jamais de vivre, d'en parler. Voilà, on est obligé de vivre avec. C'est le pouvoir pour ceux qui sont des personnes publiques comme vous, comme nos artistes, de pouvoir se forger un moral et de faire avec.
Maintenant, moi, je préconise, moi, par exemple, mes enfants, j'évite qu'ils soient exposés, qu'ils fassent des vidéos comme ça, exposés sur TikTok, aux commentaires, chacun va venir commenter. Oui. Voilà, il y a quelqu'un qui a donné une citation qui dit mais les réseaux sociaux ont donné des armes à des imbéciles pour pouvoir avoir la parole. C'est ça. Voilà, parce que chacun, celui qui a son téléphone, il a sa télévision, il a sa radio. Il dit ce qu'il veut. Et aujourd'hui, comme tu l'as dit tout à l'heure, les Ivoiriens, on a l'impression qu'ils veulent de plus en plus être méchants. C'est-à-dire que le commentaire le plus méchant... Voilà, chacun cherche à mettre le commentaire le plus méchant. Voilà. Son commentaire pour que les gens rient. On envoie des choses bien, ils ne vont jamais commenter, ils ne vont jamais partager. Mais le jour où il y a un bad buzz... Voilà. C'est elle-même qui est venue dire que la fille est très vilaine, tu vas voir qu'elle est plus moche. Ou bien... Bon, ils vont trouver Dieu devant. Ils vont trouver Dieu devant. Merci de nous avoir suivis. Edwige Miaka, gros bisous. On se dit à vendredi prochain. Merci à mes invités. De Balzac, Doji Dodo du Togo, DJ Conge, à mes chroniqueurs Patrick Edouard, Mimi Blonde, Hassan Hayek. On fait un gros bisou. On se donne rendez-vous vendredi prochain en compagnie de Nifa Fanafoul. Merci.